Wow, Congo Dialogue. Oh, sister, je suis Francine Ngembe. Je suis branché pour le Congo Dialogue. Je suis en train de faire des bazar. Je suis en train de faire des bazar. Je suis en train de faire des bazar. Je suis en train de Congo Dialogue. Je suis en train bien. Ma fille a bien. Ah, ngaye. Tu as tel Congo Dialogue, tu as tel Sunin. Yabino, Congo Dialogue. Ezaya biso, ezaya yo, ezaya biso nyonso. I'm looking for. Ouais, ngayo yo, ndeko na bino, jipe masamba boye ba ngayo yo. Tala nga jipe masamba pour du terrain na place o na Congo Dialogue. To dialogue ko, o dialogue wap. Yaka na Congo Dialogue pa mama Francine. A Francine biso, a dialogue na biso. Biso nyonso tanda Congo Dialogue. Je vous aime tant. Bye. Babiso y bolandi Congo Dialogue. Beaucoup misi angwe sa nye sa pelota. Beaucoup misi Congo Dialogue. Poeza sit moko elengi. Taka ma Francine, taka yo. En bolanda Congo Dialogue. E pesa bino wabilo kwa bien. E sa bino elongo wabino ba stress na bandaku. E sa labino elengi, elengi. Taka nga Americaine. La charmante na ebisi bino bolanda. Congo Dialogue, et pas maman Francine. CongoDialogue.com, ezali site na biso. CongoDialogue.com, ezali loko ezo pesa biso ba lumière. Ozo fungola biso ma kanisi. Ozo fungola biso ma mémoire. Congo Dialogue. Bonjour, bonsoir. Très ravi de savoir que vous êtes branché, connecté dans votre site internet, CongoDialogue.com, en direct de l'Afrique du Sud, spécialement à Johannesburg. Nous sommes ici à Mill Park, la communauté congolaise tout entière ici en Afrique du Sud et en général en RDC pleure. Nous venons de perdre un monument, un baobab qui a tant contribué dans le monde sportif ici en Afrique, au niveau de la RDC, à la personne de Monsieur Timothée Moleka, nous l'appelons honorable, n'est-ce pas? Il est décédé il y a presque une semaine passée. C'est aujourd'hui que nous allons passer une petite messe de recueillement avant que son corps soit répatrié au niveau de la RDC. Alors moi, c'est Joseph Boloa. J'ai dit grand merci à la technique dirigée par Jean-Marie Poupa. Grand merci aussi à la grande dame Francine Ngembe qui nous donne l'opportunité d'être là. Je suis avec ma consoeur Patricia Nzunzi que nous, ensemble avec nous allons diriger ce programme. Nous sommes des modérateurs de ce programme et dans quelques minutes, nous allons commencer. Vous allez remarquer que les gens viennent partout au travers différentes villes de Johannesburg. Mais, Madame Patricia Nzuzi, merci pour votre temps. Juste un petit mot à nos téléspectateurs qui nous suivent de la disparition, vraiment une grande disparition à la communauté congolaise. Je voudrais d'abord présenter les condoléances à la famille Moleka, qui est une famille que beaucoup connaissent à Kinshasa. Et présenter les condoléances aussi à toute la communauté congolaise qui, pas seulement pour la famille Moleka, mais pour la communauté congolaise, nous avons perdu une grande personne aussi. C'est une personne qui a contribué dans la politique de chez nous, ce qui veut dire pour tout le bien-être de l'étendue du Congo, et qui a contribué surtout plus dans le sport. C'était un grand fanatique du sport, il a beaucoup contribué et c'est vraiment avec beaucoup de peine que nous annonçons sa mort aujourd'hui et que nous célébrons ses funérailles. Voilà. Merci beaucoup Patricia. Je vais vous laisser. Avant que je puisse vous laisser, juste un mot d'encouragement. Vous avez déjà présenté vos condoléances à la famille. Et juste un mot d'encouragement aux enfants qui sont restés, aux communautés congolaises et qui sont partout au travers le monde. Je voudrais juste encourager tout le monde, pas seulement la famille, tous les enfants au travers le Congo. C'était un modèle à suivre. C'était un monsieur qui travaillait, qui aimait son pays et qui a beaucoup contribué. Et je pense que ce serait une bonne chose pour nous tous de le suivre.
Merci beaucoup Patricia, je vais vous laisser parce que vous êtes aussi à l'accueil pour recevoir la famille. Bientôt là, ça va venir. Monsieur Albert Moleka sera là, accompagné avec toute la communauté congolaise et tous les membres de la famille. Comme vous allez voir, les images vont balancer. Alors, je vais vous laisser suivre un peu quelques les événements, la cérémonie, comment va se passer. Les enfants viennent, la famille vient, la femme, les cousins, les cousines, hein, des grands, des enfants, des filles, des frères, des petites sœurs. N'est-ce pas, des petits frères, tous ensemble, ils sont venus juste pour célébrer ce grand homme, non seulement politicien, aussi un homme qui a donc vraiment contribué à notre culture et pourquoi pas à notre sport. Et j'aimerais aussi profiter pour lire aussi le message qu'a envoyé monsieur le président Moïse Katumbi, qui est le dirigeant, ainsi que il a envoyé le message en tant que le président de Tout-Puissant Mazembe, et il regrette vraiment la disparition de cet éminent honorable Timothée Moleka. Monsieur Moïse Katumbi a aussi envoyé ses sincères condoléances à toute la famille Moleka, en particulier aussi à toute la communauté congolaise en général. Alors moi c'est Joseph Boloa, on va se retrouver à la fin et je vous proposerai de suivre la cérémonie, la messe, comment ça va se passé. Restez branchés. Et je profite aussi au nom du Congo Dialogue présenter toutes mes condoléances à la famille Moleka tout entière. Que Dieu vous bénisse. Nos amis internautes branchés, téléspectateurs, vous êtes toujours branchés dans votre émission Espace Dialogue avec moi, Joseph Boloa. Alors, devant moi, je suis avec M. Pichukanga, Yepaza Moko, Ayebi, Ayebaki, Papa, M. Timothée. Papa Pichu, merci pour Natanayo et bienvenue. Merci beaucoup, en tout cas, nous sommes en train de plaire à notre papa. Naba téléspectateur, Bazo Landabiso, M. Timothée Moleka, Panayo, Azalakinani, Oyebaki, Pendengeni. Vraiment, Nazana Mawamingi, parce que papa Timothée Moleka, premièrement, ce qui bat le col en gai, pichoukanga, nazwagepe, sentiment, tolikanisia, kobeta balé, c'est par rapport à yandenge na monangi, papa, waza que dirige. Nazole, là d'abord, papa, on a ba volé belé, na côté sport, et puis na côté moussousou, azali, parrain, ya grande sœur nangai, ou ya balanaki, na entraîneur pour Fouatunda. Donc papa Timothée Moleka adala ki parrain ya libale ya prof na grande sœur nanga là où na kuta nangi na bango plus to fanda ki mingi to solo la ki to zalaki. Mais à part cela na monde football nga na beti na Matonge. Alors ya zaki président Kalamu bi rivalité ya Matonge Kalamu, donc ce sont de bons dirigeants to moni façon ba kadra ki football to moni façon ba linga ki balé. Alors je garde de bons mémoires donc na zomona na zana ba souvenir ebelé ya malamu ya papa we. Un message monsieur Pichukanga na libota mama bana o batikali et puis message nyoko pesa pe na ba dirigeants o baza sikona kati sindozo diriger mboka na sport pour na ndenge monsieur Timota Kei. Message nanga condoléances ezo kende beaucoup plus na famille biologique et pai libote zali to yebike papa azalaki papa moko balingaki na batebele. En tout cas nzambe apesaki nzamba zui toza ko remercier nzambe na tant malamu apesaki biso papa Moleka a diriger biso malamu alakisi ba symbole pe exemple belé na ko diriger to yebie sous côté politique commissaire du peuple sénateur. Alors, ma message beaucoup plus de condoléances à Libota biologique et puis à Libota y a sport. Ma dirigeant basali pour le moment bas par exemple. Exemple mingi pa il y a bat le ko la ba papa mon le kanzulama. Façon na bango ko travailler. Ningi bazalaki na yango. Ma wana mitema mais ali mon kan nzambe to zong sika parce qu'il y a le baki na circonstance nyo so to rendre gloire, to rendre gloire na tant nyo so to zagi na papa na biso, to rendre pe gloire le lengue papa ki. Merci beaucoup, M. Pichukanga. Voilà, je suis aussi avec Nazana Moko. Il y a Bato Bazo Sala Fierté dans le monde de la médecine en Boko Nabsa, Afrique du Sud. Awa. Et ça, privilège pour Nanga, Nazali Bosso, il y a Dr. Fabien. Papa, bienvenue. Merci, papa. Bonjour. Tomonyo Awa, merci. Il y a
papa Timothée Moleka, message n'a pas copé ça, na libota, et puis ceux qui ont eu bâti n'engenin. Na copé ça na libota, message ira à Mawa, ba condoléances, base à la Makasi, ils ont un père son âme, ils ont mokani en Zambie, ils ont zélé na bisonyoso, tobota maki, pe tokozonga, toutaki na mabélé, tokozonga na mabélé. Bon, voici mon cas dans un message amical, les lois tikabiso. Bon, tous en amawa, la douleur de la séparation, mutumo kakoko résister n'angote. Bon, tout ça car que nous avons un bamoli monaie. Mais papa Timothée Moleka, bon, naie baki, c'est une grande famille. Nakati à Congo, famille Moleka. Ben, yé moko papa Timothée, azala qui gouverneur à Villa Kinshasa, azala qui ministre à sport, il y a département, il y a Congo, Namboka, même sous Congo, Azalaki président avec club, équipe Nangana Lingaka, Monique Azalaki Mutumunene, départ, taille à famille Nabango, Yemokope Azalaki Mutumunene, Aserva qui, donc Bissouyonso, Namboka, Nabissou Congo, donc Toyebela qui est dans ma camion, soit Nébele, et puis Naebi azaya ya ba ninga nanga ba Astrid Moleka, Nasha Moleka, Lolo Moleka, na ba misusu. Bon voilà, naebi quoi, loin de près de naebeli. Merci beaucoup docteur Fabien Lilo Banoa Suka na liboto etikali bana batikali famille pe Moleka ba misusu batikali ba koko batikali message na suka ko pesa bango ya encouragement au baroko yo na nzela na message na repesa suka nyoso na maboka Nzambe to sambela Nzambe kolo Yesu pa sazali ayamba mulimo nae et puis ba batikali ba papa ba ndeko nae ba kanisa pe bana oyatiki ba mwasi makamene pa bandai ko sala ezamukili bon to sambela ke place akeyi ye pa kanisa biso to tena abondeli na biso ke azala malamu soki asala ki mutumabe mutbatu wana balimbisae batya epena losambo na bangoke lelo Nzambe ayamba mulimo nae ti pende tubiso uti na Afrika tozana Afrique du Sud ba congolais toyepo toyoki na ndeko na biso congolais ya kufi don ye yango pe toye na losambo ekepe nzoto na ye kende pe malamu na Congo. Merci beaucoup, ça c'était le docteur Fabien ça c'était le docteur Fabien Bossama où il a participé à impression concernant la disparition du monsieur Timothée Moleka. Alors vous remarquerez que les gens viennent, la famille aussi est là, son frère est là, Albert Moleka. Donc Bazo qui ne peut parquer et puis nous continuons avec Jean-Marie Poupaki à la technique. Je suis aussi avec ça c'est vraiment la famille. Papa Liban, Code Moral, bienvenue. Merci pour Nathanaël. Merci beaucoup. Un mot, je crois que Akoufi a zappé dans mon coin à Libota. Bon, nako pesa vraiment ma condoléance na la famille Moleka, plus précisément na papa Albert Moleka. Oyaza vraiment beau père nangai. So naza awa nazo représenter famille Asombi. Nasika oyo vraiment. Ah, vous représentez la famille Assom. Ouais. Okay. Oui. Ça. Belle famille, non, ouais. Okay. Merci beaucoup, Code Moral, Papa Liba Mwanza. Voilà, vous remarquerez que M. Albert Moleka est là, avec, accompagné de tous les certains membres de famille, M. Soubazaï déjà Nakati. Alors, nous continuons la couverture de cette cérémonie, messe de requiement. Nous plairons la disparition de ces grands hommes politiques ainsi que sportifs. Monsieur Timothée Moleka Ndoulama qui vient de nous quitter ici en direct de là, à partir de l'Afrique du Sud avec une maladie pendant l'opération que notre cher papa, notre cher monsieur l'honorable Timothée Moleka.
Dieu est une coutume, espace loué, spécialement si le frère est décédé. But I consider it my duty to do that because I grew up with my brother, not as the little brother, but we really grew up as twins. C'est de ma responsabilité de pouvoir le faire parce que nous avons grandi ensemble. Timothée Moleka Nzulama was born on November 11, 1951. Il était né au mois de novembre 1951. At the General Hospital of Leopoldville, l'hôpital général de Leopoldville, which is called now Hôpital Mama Yemo, that we call it Hôpital Mama Yemo. At that time, we were living in the Dendal neighborhood. Nous vivons dans le quartier appelé Dendal, which is now called Kasavubu, appelé aujourd'hui Kasavubu, on Avenue Jolou number 19, Avenue Jolou numéro 19. He was baptized according to the Catholic Church. Il était baptisé selon l'Église catholique. At the Saint Peter Church, or Saint Pierre, Église de Saint Pierre. And he made his first communion. Il a connu sa première communion at the Church of Fatima, à l'église appelée Fatima. Then in 1963, vers les années 63, our parents sent us to Belgium. Ses parents l'ont envoyé en Belgique. They sent us together. Ils nous ont envoyé ensemble en Belgique. To study, pour aller étudier. And our father told us every time. Et notre père nous disait à chaque fois. We are not sending you to Europe to become Europeans. Et nous n'avons pas envoyé en Europe pour devenir des Européens. But to learn. Mais pour apprendre. So that you can apply it to your life and you can bring your knowledge back to serve your country. Afin d'utiliser votre connaissance pour l'avancement du pays. And Timothy had the mind of an engineer. Il avait la pensée d'un ingénieur. He was always playing with radio. Il jouait souvent avec des radios. With cameras. Avec des caméras. He would ask the cameras as a present for his birthday. Il va recevoir la caméra comme de son anniversaire. And once he would get it, he would try to dismantle it. Et lorsqu'il va prendre la caméra, il va chercher à ouvrir cela. And then to bring it back together again. Et ramener encore ensemble. Because he always wanted to know how things were working. Il voulait juste savoir comment les choses marchent. Localement à parler. And I want to talk about the valleys. Je voulais parler sur le valley. And how we can make it through. Et comment nous pouvons traverser. And I'll ask you just to hold. To lift up your hand. J'aimerais juste que vous puissiez lever votre main. Like this. Comme ça. Because these points. Parce que c'est ces points. That I'm going to give you today. Que je vais vous donner aujourd'hui. I will be talking about these ones. Je vais parler de ceci. You may not put your hands down. Vous pouvez abaisser votre main. What do you get in a place where there is no rain and no sunlight? Qu'est-ce que vous recevez dans un endroit où il n'y a pas la pluie, il n'y a pas What do you call that place? Comment vous appelez cet endroit? Let me help you, because I don't want you to do the guessing work. Et je n'aimerais pas que vous puissiez imaginer. It is called a desert. On appelle cet endroit un désert. Where there is no large vegetation. Là, il n'y a pas la végétation. Storms may come. La tempête peut venir. Rain. May fall. La pluie peut tomber. But in a desert, mais au désert, there is nothing that you can plan. Il y a rien que vous pouvez planifier. And there's nothing that you can vegetate. Et il y a rien que vous pouvez planter. J'ai connu d'abord le vieux Moleka. I've known first Madala Moleka, le papa, the father. Il m'avait adopté vraiment comme son fils. He adopted me as his own son. Je me souviens, I remember, quand j'étais en poste à New York avec une banque internationale. Was when I was in New York in International Bank. C'était une surprise. It was a surprise. Il m'avait demandé de parrainer la pauvre Mama Mapasa. He asked me to be a godfather of the late Mama Mapasa. C'est là où j'ai découvert la famille Moleka. It's whereby I discovered Moleka's family.
à travers Timothée, through Timothy, même s'il était en opposition, even though he was in opposition party, il maintenait de très bonnes relations avec tout le monde. He was having a good relationship with everybody. Il faisait la séparation entre sa vie politique et sa vie privée et la vie de famille. He was separating his personal life, a family life and political life. C'est ainsi qu'il a été un très bon politicien. That's why he was a good politician. Il était prêt à partager sa vie privée avec tout le monde. He was ready to share his private life with everybody. C'est pourquoi il était élu partout au Kinshasa, Bakongo, et ainsi de suite. That's why he was elected everywhere in Congo, Kinshasa and Bakongo. Sur ce moment-là, at that time, il y avait multipartisme. We have multi-parties. Il aurait peut-être pu briguer le poste de président de la République. And you wish to be to propose to be a president of the Republic. Je peux l'affirmer sans me tromper. I can confirm it without any deceit. Il aurait pu être élu président de la République. He could have been elected the president of the Republic. Ça c'est l'homme que nous pleurons aujourd'hui. That the man that we are mourning today. Mais comme on l'a entendu, il y aura plusieurs témoignages. As we heard with many testimonies. Au lieu de pleurer, nous devons plutôt célébrer sa vie. Unlike crying, we have to celebrate first his life. Il y a beaucoup à apprendre à travers sa vie. There are a lot to learn from his life. Que la vie éternelle lui porte, la qu'on puisse l'accueillir. May the eternal life welcome him.
Ok, merci, chers téléspectateurs. Vous remarquez que nous sommes presque à la fin de la cérémonie de messe de Requiema du défunt Timothée Moleka. Nzuloma qui vient de nous quitter, les corps devaient être répatriés au niveau de la RDC. Vraiment, la population congolaise a vraiment perdu un baoba, un homme influent au niveau du sport ainsi que de la politique de notre pays. Alors, nous avons été honorés de la présence de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Son Excellence, merci pour votre temps et bienvenue. Merci. Nous sommes tous endeuillés parce que le peuple congolais vient de perdre un grand homme. Il était grand parce que c'est quelqu'un qui avait un contact facile avec son peuple, quelqu'un qui a passé toute sa vie au service de son peuple, que ce soit dans le domaine politique que dans le domaine sportif. Il encadrait les jeunes, il était aimé par tout le monde. Et aujourd'hui, moi je dirais qu'au lieu de pleurer sa mort, nous devons plutôt célébrer sa vie. Il nous a légué un héritage assez riche et je demanderai surtout à ses enfants de voir dans quelle mesure ils peuvent poursuivre l'œuvre de leur papa. Parce que c'était un grand homme et aujourd'hui nous l'avons perdu, mais il nous a légué un héritage très riche que nous pouvons tous poursuivre. Il était un modèle, donc c'était vraiment une source d'inspiration, surtout pour la jeunesse congolaise. Merci beaucoup, Son Excellence. C'est juste un mot de la fin à la population congolaise qui nous voit, des hommes politiques qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce qui vous a vraiment impacté dans la personne de M. Timothée Moleka? C'est un monsieur qui n'avait pas d'ennemis. Ses anniversaires étaient des anniversaires politiques, mais ils n'étaient pas ses ennemis. C'est ça, c'était ça sa qualité. Et j'aurais souhaité que les hommes politiques d'aujourd'hui puissent suivre cet exemple-là. Parce qu'un adversaire politique, c'est pas nécessairement votre ennemi. Vous avez des points de vue différents, ce qui est tout à fait normal dans une démocratie. Timothée nous a légué cet héritage. Il était vraiment un politicien modèle, un politicien moderne et modèle. Pour notre peuple et surtout pour notre jeunesse. L'amour a rassemblé, quand vous voyez les différentes tendances, les Congolais réunis venant de partout au travers de l'Afrique du Sud. Quel est le message que vous allez donner à nos compatriotes congolais qui sont ici en Afrique du Sud et aussi ceux qui vont suivre ici au niveau du pays? Bon, ce qui est important, qu'on soit unis. Mais s'il faut faire avancer ce pays, pour atteindre ces objectifs de développement, nous devons nous serrer les coudes. On doit travailler ensemble. Nous devons, dans la mesure du possible, oublier nos divergences et travailler ensemble. Et vous voyez que à cette occasion, il y a des Congolais qui sont venus de partout. Il y a les Congolais de tous les âges. Et c'était un modèle d'un politicien moderne. Et alors si les politiciens qui dirigent notre pays ou qui aspirent à diriger ce pays, s'ils pouvaient suivre ce modèle, je crois qu'on aura la chance de faire sortir ce pays de la crise actuelle. Merci beaucoup, Son Excellence, l'ambassadeur, pour votre temps et pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Ok, à ma gauche, à ma droite, j'ai l'homme de Dieu. Merci vraiment pour votre temps. Un témoignage très édifiant. Un mot d'encouragement. Et voyez la population congolaise frappée de cette nouvelle. Quel est le message que vous voulez leur adresser, ceux qui sont ici en Afrique du Sud et ceux qui vont nous suivre au niveau de la RDC et partout dans la diaspora? Mais je crois que le prédicateur, l'homme de Dieu, a tout résumé dans son message, que la vie de notre frère est un message d'unité, un message de fraternité, un message de solidarité, de pouvoir transcender tout ce qui nous divise, tout ce qui nous oppose, afin de réaliser les choses qui sont dans l'intérêt de tous, les choses qui peuvent aider chacun à réaliser la destinée que Dieu a préparée pour elle. C'est une leçon de prise de conscience de chacun, de sa part, de sa contribution, un destin communautaire.
Je crois que le fait que la présence de toutes ses sœurs, de tous ses frères, montre à quel point il a touché des vies, à quel point il a semé et à quel point nous devrons récolter. Mais nous devrons aussi semer. Donc comme l'a dit l'aîné, son excellence l'ambassadeur, je crois aussi que, bien sûr, en tant qu'humain, nos cœurs sont touchés, nous sommes l'émotion peut nous submerger. Mais au lieu de pleurer le départ de Timothée, efforçons-nous plutôt de célébrer sa vie, de célébrer ce qu'il a représenté, afin de perpétuer cet exemple. Donc, je remercie toutes les sœurs, tous les frères qui sont venus ici lui rendre hommage et soutenir sa famille. Et il en sera de même aussi à Kinshasa, mais que les leçons de la vie de Timothée puissent nourrir nos propres vies. Merci à vous. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci aussi pour votre temps. Merci. Monsieur Maxin, juste un mot de remerciement à... Ah, sorry. Voilà, je suis avec M. Marcin. Juste un mot de remerciement à tous les compatriotes RDC venant de partout. On ne s'attendait pas à ce nombre ici. Quoique le message n'a pas été circulé à tout le monde, mais du moins, à l'amour que M. Timothée a démontré à la population congolaise, du moins, tout le monde était touché. Votre mot. Effectivement, comme vous l'avez souligné, ayant été pris par les émotions, nous n'avons pas fait une annonce comme il se doit dans la presse pour pouvoir mobiliser les gens. Mais le niveau d'amour qu'il donnait a été à la hauteur de la présence ici. Malgré l'annonce très, très courte et très limitée, nous avons quand même eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui sont venus nombreux pour pouvoir honorer sa mémoire en ce jour. Et on est très touchés et nous tenons à remercier vraiment tous les gens qui nous ont rendu visite pour pouvoir nous soutenir dans cette période très, très difficile. Papa Timothée était, dans l'exercice de ses activités, il a toujours fait des activités où il servait les gens, que ce soit en politique, que ce soit dans le domaine sportif ou que ce soit dans le domaine de ses activités commerciales et business. Et aujourd'hui, la diversité que nous avons ici, tant en âge, qu'en nombre et en tendance politique, traduit ce qu'il était. Comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, c'était un monsieur qui, malgré les divergences politiques, était avec tout le monde. Et je crois que nous avons la matérialisation de cela aujourd'hui avec la représentation que nous avons. Merci beaucoup, Monsieur Maxime, pour votre temps et un grand merci encore pour votre coordination. Si cette soirée ou cette cérémonie a été faisable et puis agréable sous votre apport et votre hard working, comme on dit en anglais. Aussi un message à nos compatriotes qui, d'ici là, vont recevoir le corps au niveau du pays, si vous avez aussi un message là-dessus. Okay. L'émotion est dure, certes, mais nous avons voulu surmonter cela pour pouvoir rendre un hommage serein, paisible comme il se le doit, parce que Papa Timothée était quelqu'un de noble, serein, calme en toutes circonstances. Et c'est ce que nous avons voulu traduire à travers cet office religieux. Et nous attendons également de nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa ou par ailleurs, qu'ils puissent tous venir et que nous puissions rendre un hommage, mais toujours dans la dignité à Papa Timothée, à la hauteur du grand homme qu'il était. Merci beaucoup, M. Maxin. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, Patricia, nous sommes presque à la fin de notre cérémonie d'aujourd'hui. Ce que j'ai aimé, même l'ambassadeur en a dit, le prédicateur en a soulevé, et que la disparition de M. Timothée Moleka doive plutôt amener l'unité à la population congolaise et réveiller aussi un peu ceux qui sont endormis et mettre un peu de côté nos différences, n'est-ce pas? Oui, oui. Je pense que cela est très important. Il a ramené sa pierre, sa part de la construction. Il a ramené sa pierre. Je pense que cela n'était pas en vain.
et que, en tout cas pour tous les Congolais, spécialement pour les Kinois qui ont beaucoup vécu avec lui à Kinshasa, qui connaissent le bosseur qu'il était, la pierre qu'il a ramenée sur le plan politique, social et sur le plan familial. Je pense que, comme a dit les pasteurs, c'est mieux de continuer sur cette fondation qu'il avait déjà mise. Donc, réveillons-nous le matin, disons-nous, voilà, il a laissé tel héritage que lui a fait de ses propres efforts. Il a voulu un Congo uni, une famille unie, des enfants qui ont un futur meilleur. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Grand merci. Merci à Patricia. Nous étions à la direction de ce programme. Moi, c'est Joseph Boloa. Elle, c'est Patricia Ndjouzi. Nous avons voulu coordonner et diriger ce programme. Donc, nous sommes presque à la fin. Ici, en Afrique du Sud, nous avons voulu avoir cette cérémonie, cette messe de requiem pour célébrer, comme les prédicateurs, même l'ambassade en a soulevé, même son grand frère aussi, son frère Albert Molekana a soulevé. Nous devons célébrer plutôt sa vie et prendre une leçon là-dessus, afin que la fondation qu'il a posée, que nous puissions les ramener un peu plus loin. Donc, grand merci aussi à Jean-Marie Poupa qui était derrière la technique. Grand merci aussi à Johnny Photo qui a pris la photo, qui était à la photographie. Grand merci M. Bettel aussi, l'évangéliste, qui nous a soutenus aussi. Grand merci à toute la communauté La Louange, n'est-ce pas? Nous avons vu des représentatives. Le pasteur Fundi était là aussi, ainsi que d'autres fidèles de La Louange. Et nous avons vu qu'ils ont exprimé que Papa Timothée, non, c'est maintenant politique, c'est aussi un serviteur. De son exemple, il a béni, il a vraiment édifié beaucoup tant d'autres personnes. Alors, quant à moi, Joseph Boloa, je vous dis un grand merci. Grand merci aussi à vous, téléspectateurs, amis internautes qui étaient branchés dans ce site internet. Grand merci à Francine Gembe. Et on va se retrouver à la fois prochaine. Continuez toujours à nous aimer, continuez toujours à suivre nos émissions et continuez toujours à soutenir cette famille Moleka. Et nous vous informons, Patricia, vous savez qu'il vient de perdre au moins quelques membres de la famille avant la disparition de M. Timothée. Oui, il y a eu continuité de deuil. Et nous souhaitons pour eux que cela s'arrête ici, pour cette année. En tout cas, on ne peut pas le dire pour l'éternité, mais qu'ils aient le temps quand même de souffler. Si on peut continuer à leur garder dans nos prières, que Dieu fasse grâce, que ce soit la dernière personne qu'ils aient enterrée pour cette année. Et nous ne voulons pas que les Molekas disparaissent, hein, que la famille Moleka disparaisse. Non, je pense qu'on a encore besoin de ces têtes du Congo pour continuer à instruire et à diriger la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà, merci, nous sommes à la fin. Moi, c'est Joseph Boloa, Facebook Joseph Boloa. Nos numéros seront affichés dans vos petits écrans. S'il faut nous contacter, nous serons la bienvenue de vous recevoir. Grand merci et que Dieu soutienne la famille Moleka, que Dieu bénisse la famille Moleka, que Dieu protège la famille Moleka et que Dieu aussi console la famille Moleka et que cette mort amène encore l'unité et l'amour davantage. On se retrouve à la fois.